Bonjour, on se retrouve pour le test de ce thermomètre frontal-auriculaire vendu par ETEC City, un mini thermomètre vendu donc sur Amazon. Alors, on retrouve le thermomètre emballé dans une petite pochette de transport, accompagné au fond d'une, je sais pas si je suis arrivé, une notice un petit peu dure à sortir. Donc voilà, il y a toutes les langues, français, allemand, anglais. Mais nous, l'essentiel, c'est qui est français. Donc voilà, c'est plutôt bien. Alors, bien emballé dans une petite housse de transport, on retrouve ce thermomètre auriculaire infrarouge avec au fond rien d'autre. Alors, normalement, il y a déjà des piles dedans. Oui, il y a déjà des piles. Donc, faut retirer ici cette petite languette. Voilà, pour l'activer. Voilà, là il est allumé. Donc comme bouton, il y a vraiment deux boutons, donc pas beaucoup. Ici, on peut enlever le petit cache pour s'en servir de thermomètre auriculaire. Bon, je vous conseille d'acheter des petits embouts hein, pour mettre pour que ça soit plus propre. Ou sinon, on me laisse cet embout-là et ça sert de thermomètre frontal. Donc plutôt pas mal. Hein. Avec donc ici le mode très simple d'utilisation. F1 c'est pour le front et F2 c'est pour l'auriculaire. Alors voilà, il y a la température. Si je mets pour la tête et que je teste ici sur ma main. Ah oui, donc voilà, on voit que j'ai la température. Donc ça se met en vert. Si c'est pas bien, ça va se mettre en orange. Et si c'est vraiment urgent, faut aller consulter un médecin et ça se met donc en rouge. En rouge, et ça s'affiche. Il y a le petit bonhomme ici, il se met en mode pas content. Voilà, ça marche. Donc, quand ça met pour le front, ça marche vraiment partout. Il y a juste pour les oreilles, il faut modifier parce que c'est un petit peu différent. Voilà, sinon, c'est un très bon thermomètre que je recommande vraiment.